t'honorer, car tu mérites toute la gloire et toute l'adoration. Papa Dieu de gloire, c'est toi qui nous as suscités pour la louange de ta gloire. Et ce matin, nous sommes là pour te louer, pour te rendre toute la gloire, toute la magnificence. Oh, sois loué au milieu de nous. Nous disons encore ce matin que nous t'appartenons. Tu nous as rachetés par le sang précieux de Jésus. Tu as fait de nous une nation sainte. Tu as fait de nous un sacerdoce royal. Tu as fait de nous un peuple acquis. Nous sommes reconnaissants pour cela. Et dans ta présence ce matin, nous disons que tu es Dieu. Dans ta présence ce matin, nous disons que tu es roi. Dans ta présence ce matin, nous disons que tu n'as ni commencement ni fin. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Et nous croyons que ce matin, tu te manifestes encore au milieu de l'assemblée des saints. Toi qui sièges au milieu de la louange de ton peuple, ce matin, nous savons que tu vas encore siéger en notre faveur. Et que des personnes, des âmes qui sont présentes ici ce matin seront davantage bénies. Oui, ce matin, tu nous donnes la possibilité, la capacité, la force de saisir toutes les bénédictions que tu as mises à notre disposition. Car tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ce matin, quand nous venons dans ta présence, c'est pour saisir ces bénédictions et les établir, les faire asseoir définitivement dans nos vies au nom puissant de Jésus. La bénédiction de la guérison est notre partage ce matin. La bénédiction de la percée est notre partage ce matin. La bénédiction de la compréhension des choses spirituelles est notre partage ce matin. La bénédiction de la prospérité est notre partage ce matin. La bénédiction de la prospérité, de la promotion, de l'ascension. Oh, toutes ces bénédictions, Seigneur, ce à quoi nous attendons est notre partage ce matin. Car tu as déjà pourvu à cela. Tu les as déjà mises à notre disposition. Et ce matin, nous saisissons par la foi. Alléluia. Nous les saisissons. Nous prenons possession de toutes ces choses-là. Alléluia. Nous te sommes reconnaissants, Papa. Et nous acclamons ta présence. Car tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous acclamons ta présence, Seigneur. Nous acclamons ta présence. Nous sommes dans la joie. Nous poussons des cris de joie. Car tu es là, présent au milieu de nous. Oh, Seigneur. Tu es créateur, tu fais toutes choses belles en ton temps. Oh Seigneur, merci, parce que ce matin tu fais encore des nouvelles choses. Tu fais quelque chose de nouveau dans la vie de quelqu'un ce matin. Tu fais quelque chose de nouveau dans la vie de ma sœur. Tu fais quelque chose de nouveau dans la vie de mon frère ce matin. Gloire, gloire te soit rendue, Papa Dieu. Alléluia, nous sommes reconnaissants. Tu es là au milieu de nous et nous t'adorons. Tu es là au milieu de nous et nous t'exaltons. Tu es là au milieu de nous et nous te célébrons. Tu mérites la louange. Chaque matin, nous nous levons et nous chantons tes louanges. Oh, le matin, les oiseaux se lèvent et chantent tes louanges. Les animaux chantent tes louanges. Toute la création loue ton saint nom. Et nous aussi ce matin, oh, de façon spéciale, avec un cœur reconnaissant, nous venons dans ta présence pour te louer, pour glorifier ton saint nom, pour dire que nous t'aimons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, nous te laissons toute la place, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens glorifier Jésus au milieu de nous ce matin. Que Jésus soit glorifié en ce lieu. Que le Saint-Esprit prenne toute la place en ce lieu. Nous te laissons toute la place, Esprit du Dieu vivant. Viens nous conduire dans ces moments de culte. Viens nous conduire dans toutes les parties de ce culte. Nous voulons être conduits par toi dans la louange, conduits par toi dans l'adoration, conduits par toi dans les prières spontanées, conduits par toi, oh, dans les moments de prédication, afin que nous soyons davantage arrosés, que nous ayons de nouvelles graines dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Oh, conduis toutes choses, conduis, viens mettre de l'ordre au milieu de nous, que tout ce qui ne t'honore pas soit banni de ce lieu, au nom de Jésus. Toi seul prends toute la place en ce lieu, et le sang de Jésus couvre ce lieu, le feu du Saint-Esprit entoure ce lieu, et nous sommes dans ta présence où nous nous délectons de ta joie, de ta paix, de ta guérison, de la communication du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, merci. Tu nous fais du bien ce matin. Tu nous fais du bien ce matin. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Tu es là au milieu de nous. Merci, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous.
Père, je t'adore. Oui, je t'adore. Tu es là, tu es là. Présent parmi nous. Père, je t'adore. Oh oui, Père, je t'adore. Tu es là, tu es là. Présent parmi nous. Père, je t'adore. Père, je t'adore. Oh, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit, en vérité. Et ce matin, nous t'adorons en esprit, en vérité. Notre cœur exulte de joie. Notre esprit exulte de joie. Notre âme bénit l'Éternel. Et nous nous réjouissons en toi ce matin. Merci, Papa. Sois glorifié encore. Alléluia. Bien-aimé, acclame la présence de Dieu. Acclame la présence de Dieu ce matin. Alléluia. Acclame la présence de Dieu. Alléluia. Nous passons à un temps de lecture biblique. Nous lisons la parole de Dieu ce matin. Alléluia. Nous appelons notre sœur Maï. Elle va venir lire. Faire la lecture biblique. Faire la lecture biblique. Merci. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans le livre de Genèse, au chapitre 49, à partir du verset 1. Genèse 49, du verset 1 au verset 28. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, toi mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi, son frère, le glaive sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans le conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Gloire à Jésus. Judas est un jeune lion. Amen. Tu reviens du carnage, mon fils. Amen. Il ploie les genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni le bâton souverain dans ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Amen. Il attache à la vigne son âne et au meilleur sceptre le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin. Elle est dans blanche de lait. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Issachar est un âne robuste qui se couche dans les étables. Il voit que le lieu où il repose est agréable et que la contrée est magnifique et il courbe son épaule sous le fardeau. Il s'assujettit à un tribut. Dan jugera son peuple comme l'une des tribus d'Israël. Dan sera un serpent sur le chemin, une vipère sur le sentier, mordant les talons du cheval pour que le cavalier tombe à la renverse. J'espère en ton secours, ô Éternel. Gad sera assailli par des bandes armées, mais il les assaillira et les poursuivra. Aser produit une nourriture excellente. Il fournira les mets délicats des rois. Nephtali est une biche en liberté. Il profère de belles paroles. Joseph est le rejeton d'un arbre fertile.
le rejeton d'un arbre fertile près d'une source. Les bras s'élèvent au-dessus de la muraille. Ils l'ont provoqué. Ils ont lancé des traits. Les archers l'ont poursuivi de leur haine. Mais son arc est demeuré ferme et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. Amen. C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas. Amen. Amen. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères, Amen. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Qu'elles soient sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. Amen. Amen, amen. Que la amen, parole amen, du amen. Seigneur soit bénie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour cette parole? Amen. On acclame pour la parole de Dieu encore ce matin. Louons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Acclame très fort, loue le Seigneur pour sa parole. Sa parole te fait du bien, ta parole te régénère ce matin. Elle te fortifie, elle t'édifie, elle t'encourage, elle te nourrit, elle te donne la force spirituelle pour continuer à courir sur le chemin. Alléluia. La Bible dit que quand tu cours, tu ne te lasses point, tu ne te fatigues point, car c'est cette parole qui est ton carburant et qui te donne la force de continuer. Alléluia. Est-ce que tu peux louer le Seigneur en faisant du bruit ce matin? Alléluia! Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus. Alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus, oh ce grand sauveur. Venez louer avec moi. Et amen, amen. Venez louer Jésus. Oh, alléluia, venez louer avec moi. Amen, amen. Venez louer Jésus, oh le grand Seigneur. Venez louer avec moi. Et amen, amen. Oh, alléluia, venez louer avec moi et amen, amen. Venez louer Jésus, oh, il m'a sauvé. Venez louer avec moi, amen, amen. Venez louer Jésus, et alléluia, venez louer avec moi, amen, amen. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Jésus, nous t'acclamons, le roi, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous acclamer si ce n'est pas toi, Yahweh? Nous t'acclamons, Jésus, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous acclamer si ce n'est pas toi? Et nous te célébrons, Jésus, tu es Dieu. Qui d'autre ce n'est pas toi, Yahweh. T'acclamons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous acclamer si ce n'est pas toi? Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus, sois loué, sois loué. Roi des rois. Acclamons, acclamons, Jésus, acclamons, acclamons,
ce matin, Jésus. Merci, il est tout pour moi. Merci, ce matin, Seigneur. Nous sommes là pour dire que Jésus merci, est celui Seigneur. Que nous adorons. Merci, oh, Seigneur. Car il est notre Jésus. Est notre nous n'avons personne d'autre que lui. Personne ne mérite l'adoration oh, ce matin que Jésus. Oh, lui seul a été trouvé digne dans le ciel et sur la terre. Lui seul est allé à la croix pour que nous ayons la vie éternelle. Lui seul a trouvé bon de descendre jusqu'à nous. Oh, pour nous donner la vie éternelle. Ah, il est tout pour moi. Et ce matin, je veux juste chanter et reconnaître qu'il est tout pour moi. Sans toi, je ne suis rien, je ne peux pas vivre, Seigneur. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es tout pour nous ce matin. Oh, sans toi, nous ne pouvons rien, nous ne sommes rien. Tu es le cèpe et nous sommes le sarment. Nous sommes attachés à toi. Et tout ce que nous faisons, toutes nos réussites, nous viennent de toi. Oh, si nous portons du fruit, c'est parce que nous sommes attachés à toi, Jésus. Tu es tout pour nous ce matin. Tu es mon Jésus. Ah, Seigneur. Personne. Tu occupes la première place. Ah, tu occupes la première place dans nos cœurs et dans nos vies. Et nous voulons encore juste te le dire. Tu le sais. Et nous voulons que notre être entier, notre cœur, notre pensée, notre âme, notre conscience et notre subconscient, notre environnement, Seigneur. Oh, tout ce qui nous entoure, entendre que nous n'avons que toi et toi seul. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Il y a un bonheur qui chante en moi. Merci, Seigneur. Nous t'élévons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'élévons, Seigneur. Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu ne cherche pas ceux qui ont des jolies voix, ceux qui connaissent toutes les techniques des chansons. Mais Dieu cherche les vrais adorateurs qui l'adoreront en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père cherche. Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Il est vivant. Il est vivant. Pour lequel je veux vivre. Le prince de l'équité. Merci, Seigneur. M'a libéré de l'iniquité. Sois béni. M'a changé d'identité. Merci. Je m'appelle racheté. Où irais-je encore loin de toi? Où irais-je encore loin de toi? Celui qu'on appelle. Emmanuel.
Alléluia. Thank you.
Moi je n'ai que Jésus.
m'a fait du bien. Alléluia. Il t'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il t'a sauvé. Il t'a sauvé, il m'a sauvé. Alléluia. Sur la croix. Merci Seigneur. De jour, de nuit. Merci Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige. Il me conduit. Merci Seigneur. Alléluia. Il veille sur moi. Merci, Jésus sauveur. Jésus, veille sur toi. Sur la croix. De jour, de nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada.
des hommes. Mais lui, Jésus, n'a jamais rejeté une seule personne. Et lui, Jésus, n'a jamais abandonné une seule personne. Jésus est l'ami fidèle. Alléluia. Yeah.
Avoir Jésus, c'est avoir tout. Tu es
tu es tout juste. J'ai reçu l'assurance du paradis. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Quoi de plus précieux que le paradis? Quoi de plus précieux que le paradis? Par toi, Jésus, j'ai reçu le paradis et j'ai l'assurance du paradis. Oh Jésus, tu es tout ce que j'ai de plus précieux parce que tu m'as donné le paradis. Tu m'as donné la vie éternelle. Et j'ai tout en toi, j'ai tout ce que j'ai de plus précieux. Je t'ai, Jésus. Et j'ai le paradis en toi, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois béni à jamais. Sois glorifié à jamais. Merci, Seigneur. Père éternel, nous te bénissons. Nous te rendons grâce et gloire. Nous te rendons grâce et gloire. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, tu vas nous faire du bien. Tu vas nous parler encore. Tu vas agir encore. Tu vas nous toucher. Tu vas nous restaurer. Tu vas transformer notre histoire. Tu vas transformer notre vie. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es tout ce dont j'ai de plus précieux. Merci pour ta présence. Merci pour ton onction. L'onction qui brise les jougs. Nous te bénissons, Seigneur. Nous t'aimons. Parce que c'est toi qui nous as aimé le premier. Nous t'aimons, Seigneur. Parce que c'est toi qui nous as aimé le premier. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour toi. Il est mort pour moi. Et il a dit, je ne vous appellerai plus mes disciples. Je vous appellerai maintenant mes amis. Parce que je vous ai tout dit. Je vous ai tout dit. Je vous ai tout donné. Je vous ai donné la vie éternelle. Je vous ai donné le salut. Je vous ai donné le salut. Merci Seigneur. Que notre Seigneur soit béni. Et glorifié à jamais.
Alléluia. On va ouvrir nos Bibles. Dans le livre de Genèse. Chapitre 49. Le verset 28. Genèse chapitre 49. Le verset 28. Alléluia. Nous continuons avec l'histoire de Joseph. Tu seras le Joseph de ta famille. Joseph est devenu grand. Pas en une journée. Ça a pris 13 ans de souffrance. Il a cheminé pendant 13 ans. Au bout de 13 ans, de douleurs, de souffrances, d'épreuves, il est rentré dans l'abondance. Et tu seras le Joseph de ta famille. Le processus a déjà commencé. Tu es lancé. Tu es lancé. Tu es en train de vivre la méchanceté des gens. Tu es en train de vivre la jalousie des gens. On t'a jeté des mauvais sorts. Jeté dans la citerne. On t'a vendu. On t'a trahi. On t'a faussement accusé. On t'a fait toutes ces choses. On t'a emprisonné. On t'a bloqué. Mais mon ami, tu es en processus. Tu vas traverser toutes ces épreuves dans la victoire. Alléluia. Et tu seras le Joseph de ta famille. Et tu seras la Joseph de ta famille. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, on a commencé par la lecture biblique. Genèse chapitre 49. Du verset 1 au verset 28. Donc, vous allez relire ça encore à la maison. Nous allons lire le verset 28. Genèse chapitre 49, le verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. C'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il est béni. Barkelna. Chacun. Ken kune. Selon sa bénédiction. Tianamu amé barkem. Alléluia. Tiantignel na borombe. Alléluia. Tiantignel na borombe. Alléluia. Tiantignel na borombe. Je relis encore la parole du Seigneur. Madelu jangat kadu yalla. Genèse chapitre 49 verset 28. Titerengel bel sar nien fuka ak djuroom nient ay nyaar fuka ak djuroom nient. Ce sont là. Tia ñooñu nak. Tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père. Ce que dit leur père. En les bénissant. Il est béni. Chacun. Selon sa bénédiction. Je vais lire pour la dernière fois. Je vais lire pour la dernière fois. Et je prie le Seigneur. Déjà en lisant la parole du Seigneur. Tu vas saisir quelque chose. Diminue les baffes. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Donc on va lire pour la dernière fois. Genèse chapitre 49. Le verset 28. En lisant cette parole, tu vas déjà recevoir le message divin. Le message de ce matin, c'est ce verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père en les bénissant. Il les bénit chacun.
chacun selon sa bénédiction. Redis avec moi. Il est béni chacun selon sa bénédiction. Il est béni chacun selon sa bénédiction. Voilà le message de ce matin. Et pour la suite de toute la semaine, il est béni chacun selon sa bénédiction. Le message de ce matin, Dieu va te bénir. Dieu va nous bénir. Mais Dieu va nous bénir chacun selon sa bénédiction. Chacun selon sa bénédiction. Chacun selon sa bénédiction. Dieu va te bénir en fonction de la bénédiction qui t'est due. Je vais pas la perturbation. Enlever ça. Régler tout ça là. Habituellement, ça ne tombe pas. Parce que quand tu vas commencer à voilà, bloquer ça là-bas. Bloquer. Mettez double. Mettez deux choses dessus. Voilà. Ça ne doit pas tomber. Alléluia. Dans le message de ce matin, on trouve ça dans Genèse chapitre 28, 49 verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. C'est là ce que leur père leur dit. En les bénédictions. Il est béni. Il est béni. Chacun. Selon sa bénédiction. Il est béni. Chacun. Selon sa bénédiction. Chacun selon sa part de bénédiction. Chacun selon la bénédiction qui lui est réservée. Chacun a reçu sa bénédiction. Chacun a reçu sa bénédiction. Chacun a reçu sa bénédiction. Des bénédictions spécifiques. Des bénédictions spécifiques. Spéciales à chacun. Ils étaient 12. Pour les 12 tribus d'Israël. Chacun a reçu sa bénédiction. On n'a pas mélangé des bénédictions. La bénédiction qui est tombée sur Benjamin, c'est pas la bénédiction de Ruben. Chacun a reçu sa bénédiction. Chacun a reçu sa bénédiction. Chacun de nous ici va recevoir sa propre bénédiction. Amen. Chacun de nous ici va recevoir sa propre bénédiction. Va recevoir sa propre bénédiction. Il est béni chacun selon sa bénédiction. Oh Dieu Tout-Puissant, je n'ai pas besoin de la bénédiction de quelqu'un d'autre. Je veux ma bénédiction. Je veux ma bénédiction. Ma bénédiction. Je veux ma bénédiction. Je veux ma bénédiction. La bénédiction taillée sur la taille d'Opala. Alléluia. La bénédiction taillée sur mesure d'Opala. Mon ami, tu vas recevoir la bénédiction taillée sur ta mesure, à ta mesure. Tu vas recevoir ta bénédiction. Regardez parmi nous ici là. Si par exemple je dis, on prie pour que les gens puissent se marier. Nous sommes déjà mariés. Peut-être pour nous là, on va dire père pour nos enfants. Bon, moi non là, c'est pas pour maintenant là. Nous n'avons ni donc voilà l'école, ne même pas penser à ça. Peut-être pour les deux premiers, Shama et Eli, bon, ils commencent à devenir déjà un peu grands là. Et pour ne pas faire trop attendre les soeurs qui vont prier, jeûner, Seigneur, donc, on va mon mari, on va déjà libérer Shama et Eli, on va déjà commencer à les pousser déjà. Bon, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, donc on va les libérer déjà. Mais pour nous qui sommes mariés, qui sont dans la salle ici, là, ouais, ce n'est pas
la bénédiction dont nous avons besoin là. Nekul ne barke bobu lañu soxla. Recevez le mariage. Jot len sey. Bon, je dirais amen pour mes enfants. Man dina na amen nonu ngir samay dom. Mais pour moi au pala. Waye man au pala. J'ai besoin. Man lima soxla. De ma bénédiction. Modi sama barke. La bénédiction spéciale à moi-même. Barke bi nga xamantene man rek mako taxa jox. Spécifique à moi. Man rek mako taxa jox. Une bénédiction précise. Barke bo xamantene wutena ak barke ñeneen ñi. Une bénédiction précise. Barke bo xamantene wutena ak barke ñeneen ñi. À moi-même. Ngir man rek. Ce matin le Seigneur. Tay ji ci suba borom bi. Va t'ouvrir les portes de la bénédiction. Dina la ubil buntu barke ya mena. La bénédiction spéciale à toi-même. Barke bo xamantene yow rek ya koy taxa jox. Ta bénédiction spécifique. Barke bo xamantene yow rek ya koy taxa jox. Chacun va recevoir sa bénédiction. Kenn ku ne da wara jot barke. Chacun va recevoir sa propre bénédiction. Kenn ku nek da wara jot barke. Tu vas recevoir ta propre bénédiction. Yow di nga jot sa barke bop. Tu vas recevoir ta propre bénédiction. Di nga jot sa barke bop. On revient dans l'histoire de Joseph. Ñu delu ci wat ci ciowal Youssouf. On revient l'histoire de Joseph. Nañu delu ci wat ci ciowal Youssouf. Dans le verset 1, car Jaya ben chapitre 49 verset 1. Ci sar ñen fuko jurom ñent ay ben. Jacob appela ses fils. Yankoba wona dom yu gori. Et dit. Dali ne len. Assemblez-vous. Dajalo len. Et je vous annoncerai. Te dina len yegal. Ce qui vous arrivera. La nga xamantene mo len di dali euleuk. Dans la suite des temps. Te lay top ci jamono yi di ñew. Rassemblez-vous. Dajalo len. Et écoutez. Te ngeen deglu. Fils de Joseph. Yen domi Youssoufa. Écoutez Israël. Deglu len Israël. Votre père. Sen bay. Voilà comment le papa a dit. Ni la bay bi waxe. Et tous les enfants sont rassemblés. Dom yep nak dadi dajalo. Tous sont partis. Ñep dadi dem. Il dit rassemblez-vous mes enfants. Mu dadi ne yen samay dom dajalo len. Rassemblez-vous mes enfants. Dajalo len yen samay dom. J'ai quelque chose à vous dire. Amna luma len wara wax. Je veux vous bénir. Dama leena bëgg barkel. Venez mes enfants. Dajalo len ngeen ñew samay do. Regardez. Légui na xol len. Joseph. Youssoufa. Joseph. Youssoufa. Joseph. Youssoufa. Il était riche. Youssoufa ku bari alal la won. C'est pas ça? Ndax du lolu? Joseph était riche. Youssoufa ku bari alal la won. Qu'est-ce que son père allait encore lui donner? Lan la ko bayam di joxat lu mu amul. C'est lui qui a fait rentrer son père dans l'abondance. Mo dugal bayam ci bari le. C'est lui qui a donné les bénédictions à son père. Momo jox barke yi bayam. C'est lui qui a situé sa famille. Momo dalal ay njabotam. Mais lorsque le papa dit venez. Waye bi bay bi ne ñew len. Rassemblez-vous tous. Dajalo len yeen ñep. Rassemblez-vous tous. Dajalo len yeen ñep. Joseph n'a pas dit. Youssoufa neewul de. Je suis déjà un homme béni. Man gor gu barke la ba pare. Je n'ai plus besoin de la bénédiction. Soxlo tu ma barke dedet. Dedet. Il est avec moi. Non 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 non. Walela man muku muku muku. Joseph n'a pas dit je suis déjà béni. Youssouf neewul barkel na ba pare. J'ai tout ce dont j'ai besoin. Amna lepp luma soxla. Je n'ai plus besoin d'une bénédiction. Soxla tuma barke. Dedet. 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 Pas du tout. Dedet muku. Jacob a dit venez. Yankoba neena ñew len. Joseph n'a pas dit aussi. Youssouf neewul ita. La faute passé on a vu cela. Gis nañu ko jamana yi ñu wessu. Le dimanche passé on a vu cela. Diber gi ñu wessu gis nañu ko. Genèse chapitre 48. Ci téré ndjel bél sar ñen fuk ak juroom ñet. Lorsque Joseph a appris que son père était sur le point de mourir. Bi Youssoufa yagene baye mangi ci digante dund ak de. Joseph a pris ses deux enfants. Youssoufa djel na ñaari dom. Il est parti voir son père. Dadi dem seti bayam. Et son père l'a béni. Bayam dadi barkel. Donc son père l'a béni. Kon bayam barkel nako. Commence à compter là. Tambali len wagné. Son père l'a béni pour la première fois. Baye mu ngi ko don dora barkel. En privé. Te mom mu weto mom. Prononcer les paroles de bénédiction sur ses enfants. Dadi wax ay kaddu barke ci ay domam. En le bénissant, il a béni ses enfants en le bénissant. Bam koy barkel la barkel njabotam. Mais non, lorsque son père a dit venez. Waye nak bi bayam ne ñew len. Je vais encore vous bénir. Dana len barkelat. Joseph. Youssoufa ci bopam. Tellement béni. Mom mi barkel. Et non béni. Mom mi barkel. Quand papa dit venez recevoir les bénédictions. Bi bayam ne ñew len jot seni barke. Joseph n'a pas dit. Youssoufa neewul. La dernière fois. Man bi jamana ñu wessu. Papa j'étais avec toi. Bay weto nak yow. Tu m'avais déjà béni. Barkel nga ma ba pare. Je suis déjà béni. Man ku barkel la ba pare. J'ai beaucoup de richesses. Bari na alal wadina. Je n'ai plus besoin de rien. Soxla tuma dara. Joseph n'a pas dit cela. Youssoufa waxul lolou. Dès que papa dit venez. Di bayam ne ñew len. Joseph est parti. Youssoufa demna. Il est parti. Dadi na dem. Mon ami écoute-moi. Dama xari degluma. Je veux que cette mentalité puisse tomber. Dama bëgg xalaat bobu dadi danu ci yow. Que vos yeux puissent s'ouvrir. Seni gat mala ubeku. Celui qui est béni. Yow ki barkel. Il veut encore plus de bénédictions. Alléluia. Barke gi gëna yaatu cham ci ñel na borom bi. Celui qui est béni, il veut encore beaucoup de bénédictions. Il veut encore être béni. Il veut encore être béni. Celui qui est béni, il ne se rassasie pas de bénédictions. Alléluia. Amen.
Lui lolo. Ah. Celui qui est béni. Qui barque. Il ne se rassasie pas de bénédiction. Bobu sour ci barke bi. Je vois les gens qui sont ici. Oh non. Gis na ay nit na na dede. Lui est déjà béni. Qui barke na ba pare. Il a la voiture. Momam na auto. Il est à l'aise. Dem na mu ngi ci jamm. Mon ami, celui qui est béni. Sama xari ki barke. Il ne se rassasie jamais de bénédiction. Bobu sour ci barke. Il veut davantage. Dafay bëgg barke bi di gëna bari. Il veut davantage. Dafay bëgg barke bi di gëna bari. Un homme béni. Gorku barke. Il veut encore des bénédictions. Dafay bëgg barke gi yokku. Il était béni hier. Da barke dem. Demain il veut encore les bénédictions. Après demain il veut encore les bénédictions. Mon ami, tu es béni. Tu seras toujours béni. Tu vas vivre de la bénédiction. Tu vas avancer de la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Qui est le Joseph de ta famille? Qui est le Joseph de ta famille? Tu ne te rassasies pas de bénédictions. Joseph avait été déjà béni. J'ai dit, première chose. Un homme béni ne se rassasie pas de bénédiction. Il veut davantage de bénédiction. Et deuxièmement, Joseph était déjà béni. Il vivait dans l'abondance. Un homme qui vit dans l'abondance, il veut encore quoi? Il veut encore beaucoup d'abondance. Il veut encore beaucoup d'abondance. Il ne se rassasie pas de l'abondance. Tu es le Joseph de ta famille. Amen. Tu ne vas pas te rassasier de l'abondance. Tu vas aller d'abondance en abondance. Abondance en abondance. Abondance en abondance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le Joseph de ta famille. Les gens ont menti. Ils veulent que je t'arrête là. Il y a des gens qui disent bon, toi, tu es déjà vieux. C'est bon pour toi. Mon ami. Un homme qui est dans l'abondance, il veut continuer à vivre dans l'abondance jusqu'à la fin de sa vie. Il veut découvrir des nouvelles abondances. Il veut toucher plus encore. Il veut avoir davantage encore. Quand j'ai vu ça, je dis, mais Joseph. Mais Joseph. Yusufa. Mais il y a quelques jours de cela. Papa était en train de mourir. Dès que Joseph a entendu ça, il a pris ses enfants. On y va. Mais pensez à Joseph. Qui était Joseph? Joseph était riche. Joseph était dans l'abondance. Il était dans l'abondance. Donc, on allait dire. Humainement parlant, on allait dire. Kon dañu daan wax rek ci jëmmi doomi adama ak jëfi doomi adama. On allait dire à Joseph. Dañu nana à Youssoufa. Il est déjà béni. Youssoufa ku barkel la. Donc, il n'a plus besoin de quelque chose. Kon soxlaatul dara dara. Il a tout. Mais Joseph nous a montré le contraire. Joseph nous a montré un homme qui est dans l'abondance. Il veut toujours vivre dans l'abondance. Continuer dans l'abondance. Découvrir d'autres abondances. Et nager dans l'abondance. Ça sera ton cas au nom de Jésus-Christ. Amen. Ça sera ton cas au nom de Jésus-Christ. Tu es le Joseph de ta famille. Amen. Il y a Youssoufa qui s'est. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Tu ne te rassasies pas de bénédictions. Troisième chose, celui qui est béni, il ne limite pas ses bénédictions. Mon ami, celui qui est béni, il ne limite pas. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Il ne se met pas de limite. Mon ami, les limites de ta bénédiction vont sauter maintenant au nom de Jésus-Christ. Je fais sauter toute limitation de ta vie au nom de Jésus-Christ. Joseph, un homme béni. Un homme riche. La deuxième personnalité en Égypte. Il est tellement dans l'abondance. Mais il a dit, mon abondance ne va pas se limiter là. Je refuse de rester limité. Il y a encore des bénédictions que je vais goûter. C'est bien ce que j'ai. Mais je vais encore davantage. Je veux encore davantage. Mon ami, tu n'as plus de limite de bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Je
Tu n'as plus de limite de bénédiction dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Ça quitte ton esprit au nom de Jésus-Christ. Ça quitte tes pensées au nom de Jésus-Christ. Et tous tes amis qui peuvent te dire non, c'est bon pour toi. Toi, tu peux t'arrêter là. Tu dois leur dire, j'ai la bénédiction de Joseph dans ma vie. Je suis le Joseph de ma famille. Je ne me rassasie pas de bénédiction. Je ne mets pas de limite à mes bénédictions. Tant que je suis en vie, et tant que le Seigneur me fait grâce, j'irai de bénédiction en bénédiction, d'abondance en abondance. Je vais continuer à avancer. Je vais continuer à progresser. Il n'y a pas de limitation dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Regardez ceci. Ici là, regardez. Le verset 1. Mon ami, tu as devenu le Joseph de la famille. Amen. Regardez verset 1. Regardez. Quand je commence à lire, tu vas comprendre que non. Joseph est intelligent. Très très intelligent. Il était intelligent depuis sa jeunesse. Et il a conservé son intelligence. Il voit loin. Ok, Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Ah. Wow, okay. Un homme qui est béni. Il fait quoi? Lisez la phrase. Il est concentré sur quoi? Je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Ce qui va vous arriver. Plus loin. Dans 10 ans. Dans 20 ans. Dans 30 ans, un homme qui est béni, aujourd'hui, c'est son regard, sa vision ne se limite pas à aujourd'hui. Sa vision est sur la suite des temps. Sa vision est sur la suite des temps. Un homme qui est béni, il voit au-delà du temps. Alléluia. Il voit au-delà des âges. Au-delà des années. Au-delà des années. Son futur l'intéresse. Mon ami, un homme qui est béni. Un homme qui est béni. Il ne vit pas au jour le jour. Il vit aujourd'hui. Il se projette sur la suite des temps. Alléluia. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Tu n'es pas limité à 2024, 2025. La suite des temps. La suite des temps t'intéresse. Un homme qui est béni, il voit l'avenir. Il voit très loin, mon ami. Tu vas voir très loin au nom de Jésus-Christ. Tu n'auras pas une vision limitée. Tu vas voir au-delà des limites. Tu vas viser la suite des temps. C'est ça qui intéressait Joseph. Joseph est déjà béni. Mais l'avenir, la suite des temps, peut-être ça, c'était pas sûr. Il a dit, je suis béni aujourd'hui. Je veux sécuriser l'avenir. Je veux sécuriser
sécuriser l'avenir. Je travaille pour mon avenir. Je prends ces bénédictions pour mon avenir. Mon ami, tu vas sécuriser ton avenir au nom de Jésus-Christ. Tu vas sécuriser ton avenir au nom de Jésus-Christ. Ce que tu as, c'est bien. Mais tu es l'esprit de Joseph en toi. Tu vises la fin des temps. Tu vis ce qui va arriver plus tard. Le futur t'intéresse. Le futur t'intéresse. Regardez, mes amis. Lorsque Joseph recevait ces paroles, Joseph devait avoir environ 50 ans. Il devait avoir environ 50 ans. Genèse 50, verset 26. Tu touches juste la page, chapitre 50, verset 26. On va lire l'âge de Joseph lorsqu'il est mort. Joseph mourut âgé 200 combien? 110 ans. Okay. Joseph avait 50 ans. Et le verset 1. Ce qui arrivera dans la suite des temps. 50 ans moins 110 ans. C'est combien d'années? Hein? Ça fait 60 ans. Donc Joseph a dit, je vais prendre des bénédictions pour les 60 prochaines années. Pour les 60 prochaines années. Je suis béni aujourd'hui. Mon ami, je suis béni aujourd'hui. Je ne sais pas si ces bénédictions vont m'amener peut-être dans 5 ans. Non, je suis un visionnaire. Je suis habitué à la bénédiction. Je ne veux pas que dans 5 ans, que mon histoire de bénédiction s'arrête. Hein? Là où je dois prendre la bénédiction, pour que je prospère dans la bénédiction, jusqu'à la fin de ma vie, pour les 60 prochaines années, je vais prendre cette bénédiction. Moi, Joseph, je vise l'avenir. Je vise l'avenir. Il y a encore de nombreuses années devant moi. Mon ami, il y a encore de nombreuses années devant toi. Amen. Tu vas recevoir des bénédictions pour ton futur. Joseph a visé l'avenir. Joseph a visé l'avenir. Alléluia. Alléluia. Regardez ceci. En semaine, je donnerai encore des enseignements sur ça. Regardez. Un point seulement. Ben patch rek. Quelqu'un d'autre. Kenen. À la place de Joseph. Ti place Youssef. Dès qu'il a, il est deuxième personnalité d'Égypte. Ba mu topé ci ñaarénu nit bi nga xamanténé mom modi ki top ci bour bi. Manam day yëkëti dënam. Je suis jabéni. Aj ay mbagam né man ko barké la. Venez recevoir la bénédiction. Na ñew leen jël ci barké bi dédét. Non, je n'ai pas besoin. Man soxlawuma barké bi. Je suis jabéni. Man barké na ba paré. Mais la bénédiction que tu as là, elle peut que tenir 5 ans. Et les 55 ans. Qui sont encore devant toi? Qui sont encore devant toi? Mais un homme sage, un homme qui a l'esprit de Joseph en lui, il ne travaille pas seulement pour aujourd'hui. Il ne voit pas seulement aujourd'hui. Il voit dans 50 ans. Dans 60 ans. Regardez d'abord leur père Jacob. Jacob dit, je vais vous bénir. Pas pour aujourd'hui. Ce que je vais vous dire va arriver dans le futur. Ça va vous
l'accompagner pendant de nombreuses années. Je parle à votre futur. Je parle à votre avenir. Je parle à vos 50 ans qui vont venir. Je parle sur vos 50 prochaines années. Je parle sur vos 50 prochaines années. Sur vos 50 prochaines années. Et celui qui a l'esprit de Joseph en lui, il ne regarde pas aujourd'hui. Il regarde. Il regarde la suite des temps. Le futur. Dans 20 ans. Dans 30 ans. Dans 50 ans. Mes amis, écoutez-moi avant que j'aille vers la conclusion. Juste ça pour. Ne fuyez pas l'enseignement. Les enfants, vous allez à l'école, vous continuez comme le rythme habituel. Les enseignements seront en direct, vous les suivez en direct. Jeudi, 17h30, comme d'habitude, nous sommes là. Mais il ne faut pas fuir. Maintenant, écoutez ceci. J'ai vu des gens briser les amitiés, les relations. Digante xamel une fois qu'ils ont été bénis bes bañu barkelé rek la ko aujourd'hui yow barkel nga tay né waw kay sa de nang ca kaw nga acc say mbak nak tambalé di dox num la nexé di doxé num la nexé di doxé num la nexé ñew na wané bopam di doxé num la nexé ci sama xarit doxine bi tay on l'a vu déjà gis nañ ko ba paré eva te di un an dana dal di taxaw ci ben at muy doxé num ko nexé ñaari at muy doxé num ko nexé 3 ans ñetti at muy doxé num ko nexé 4 ans ñenti at mu tambalé di dagu nank nak di dagu juromi at mu tambalé seug di seug nak di apat 6 ans jurom benni at mu tambalé talal loxo nan dimbalima dimbalima ngir jëmmé borom bi sama ndijay moma liggéey sama ndijay moma sanni liggéey bu bon gisna ay nit gisna ay nit béni aujourd'hui barkel tay pour eux ngir ñom il est c'est fini ñom manam jeexna tak dañuy barkel ba fa c'est fini jeexna tak dañuy barkel ba fa j'ai vu des gens gisna ay nit ils ont construit ñom tabax nañu ils ont fini de construire dari paré tabax pour eux c'est fini ci ñom jeexna et puis j'ai vu ces gens là man dari gis ni ñom qui ont construit ils sont contents là ñi tabax and ak mbek tet ci tabax bi même l'autre quand ils sont morts plus tard en peu de temps après la famille a décidé que même leur, son corps ne vienne pas dans la maison que lui l'a construite. Et la famille a pris ses enfants. Mon ami, tu as vu, tu étais béni. Pour toi, c'est fini. Tu as construit, pour toi, c'est fini. Tabax nga ngir yow paré nga ya ngay doxé num la nexé di doxalé num la nexé ya ngi doxé num la nexé di doxalé num la nexé waye légui fi nga tollu ni sama xal tu as eu la bénédiction am nga barké bi tu n'as pas eu l'esprit de Joseph waye andulo xelum Youssoufa Joseph Youssoufa ci bopam très intelligent mu am xel lolu nak très intelligent am xel lolu nak je suis béni aujourd'hui né barkel na tay j'ai besoin toujours des bénédictions waye dama soxla ci bes bu nek barké je dois rester le mot là, je dois rester connecté à la bénédiction. Alléluia. Je dois rester connecté à la bénédiction. Que jamais la bénédiction me lâche. Que jamais la bénédiction me lâche. Je reste connecté à la bénédiction. Je vise l'avenir. Je vise l'avenir. Je vise les 20 ans. Dans 30 ans. Dans 50 ans. Je veux demeurer béni. Je veux demeurer béni. Mon ami, tu vas demeurer béni au nom de Jésus-Christ. Tu as l'esprit de Joseph sur toi. Tu as l'esprit de Joseph sur toi. Tu as cet esprit de Joseph sur toi. Tu as vu, chacun a reçu. Chacun. Selon sa bénédiction. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que bon, je colle les deux là peut-être. Quelqu'un qui. Je colle les deux points là maintenant. Chacun a reçu la bénédiction. Selon lui, selon son besoin. Joseph a reçu sa bénédiction. Pour le futur. Voilà.
les autres. Peut-être la bénédiction d'aujourd'hui. Ou les quelques jours là. Et quelques mois. Deux, trois années. Mais Joseph était déjà béni. Qu'est-ce qu'il était allé chercher là-bas? Moi, Joseph, j'ai besoin de la bénédiction pour l'avenir. C'est ça ce qui m'intéresse. Hier, j'étais avec papa. Il m'a béni en bénissant mes enfants. Non, ça ne me suffit pas. Je veux davantage de bénédiction. Je veux davantage de bénédiction. Pourquoi? Pourquoi? J'ai de les secrets. Ceux qui ont beaucoup souffert de leur vie. Ceux qui ont souffert longtemps. Pour réussir. Quand ils attrapent la bénédiction. Quand ils attrapent la réussite. Ils ne lâcheront plus la bénédiction. Ils ne lâcheront plus la bénédiction. Parce qu'ils ont souffert pour arriver là où ils sont arrivés là. Ils connaissent le poids de la souffrance. Ils connaissent le manquement, comment ça fait dans la vie de quelqu'un. Ils ont bavé pour arriver là. Ils ont transpiré pour arriver là. Et une fois qu'ils ont attrapé, ils ne lâcheront pas. Ceux qui ont souffert de leur vie, ils ont réussi par le fruit de leur la sueur de leur front. Ils ont bataillé. Ces gens-là, quand ils attrapent la bénédiction, ils ne lâchent pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient eu la force de se battre et pour atteindre la bénédiction. Et ils ont aussi la force de demeurer dans la bénédiction et de continuer dans la bénédiction. Tu reçois cette force au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cette force au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cette force au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ta bénédiction. La bénédiction de l'avenir. La bénédiction de l'avenir. La bénédiction de l'avenir. De recevoir des grâces pour les 50 prochaines années. Pour les 30 prochaines années. Tu reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Tu ne te rassasies pas de bénédictions. Tu n'es pas rassasié de bénédictions. Je veux davantage de bénédictions. Je veux davantage de bénédictions. Et je vis dans la bénédiction. Je promets dans la bénédiction. Je continue à évoluer dans la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Maintenant, une autre chose, je termine. Avant de conclure maintenant. J'ai vu aussi des gens bénis, mais incapables de garder leur bénédiction. Deux fois, je suis là, je regarde. Ah, mais mon ami, tu y as fait comme ça pour arriver là où tu arrives. Maintenant, tu y es arrivé. Tu as gagné. Très facilement. Un sorcier du village ressort. Il vient tout autour de ta maison. Pour construire. Maintenant tu as construit. Le jaloux du village là. Opala. Nan opala ngi ni. Di xol am natalam. Excusez, c'est moi là. Di xol natalam, di jam nan opala. Opala. Di jam ci bobbi nan opala. Di ko jam di teb nan opala. Di teb nan opala. Et je te vois aussi, tu es parti. Donc tu n'as pas souffert pour arriver là où tu es. Pour qu'un individu dans sa sorcellerie qu'il vienne détruire ta vie comme ça, si facilement, tu ne lâcheras pas ta bénédiction au nom de Jésus-Christ. Tu as souffert pour arriver là. Quelle que soit ta sorcellerie, quelle que soit
soit les piquants que tu vas mettre sur moi, ça ne m'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. J'ai souffert pour arriver là. J'ai été rejeté par mes frères. J'étais dans la citerne, accusé faussement. 2 ans d'emprisonnement. Vous pensez que c'est rien? Malgré tout cela, l'Éternel était avec moi dans un pays étranger. Je n'ai pas été aidé. J'ai transpiré pour arriver là où je suis arrivé. Et aujourd'hui, j'ai gagné. Toi, dans ta sorcellerie. Et tu vas aller voir un marabout. Mon ami, dites avec moi, laissez seulement. Donc, je connais comment ils font. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je connais. Des gens qui font ça, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mon ami, tu n'es pas le seul à me dire, m'avoir dit ça, donc vous êtes nombreux. Je ne vais pas dire, papa, là, on te dit mes secrets. Tu prends maintenant un cercueil. Nga djel rek natalu nit ki tek da lo sociologie ci sen walu da amène le marabout a dit amène un petit cercueil serigne bi dana na indil manam kessu new bu ndaw vrai sorcier demu bu mat viens vers 3h 2h du matin ñewal ñaar ba ñetti waxtu ci xaju guddi comme ils ont éteint la lumière ñu daldi fay lampe la voiture ils ont loué une voiture sen auto ñu dem louer ab auto et roule doucement di daw ndank dans l'obscurité ci lendem bi le marabout demande où est le cercueil là ne serigne bi ne ko jox ma kessu new bi dadi yengal rek dal yengal rek welu cercueil ne ko ani kessu new bi cercueil où kessu new bi ani mo cercueil là kessu new ba ngi où est son nom ani touram il est là touram ngi ni où est sa photo ani natalam sa photo est là natalam ngi ni il s'appelle comment son nom où nan la tout touram lan la opala mu ne ko opala nan waw nan ko waw na Daddy Jam. Mon ami, j'ai souffert toute ma vie. Mais j'ai jeûné pendant des années. J'ai lu ma Bible. J'ai participé au séminaire. J'ai souffert toute ma vie. Pour arriver là où je suis arrivé. Toi, mon ami, dans ta sorcellerie, tu vas facilement me détruire. Ça ne m'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Même si vous avez fait mon enterrement, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Comment ça? Conspiration. Tu veux si parfois tu viens comme ça. Il y a un partenaire qui est là. Tu veux travailler un marché qui est là. Tu es sûr que tu vas l'avoir. Coup d'état dans le pays. Tout est tombé. Tu étais déjà là. Oh Seigneur. Donne-moi la force. Donne-moi. Tu commences à jeûner encore. Tu reçois de nouvelles forces. Tu vas encore. Quand Dieu ouvre les portes, tu arrives à réussir. À être dans l'abondance. Et un individu. Il vient dans sa voiture. Et tu as menti, mon ami. Viens avec moi, tu as menti au nom de Jésus-Christ. Ça ne m'atteindra pas au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que lorsque je recevais la bénédiction, pour rentrer dans l'abondance, je suis allé chercher également des provision de bénédiction à long terme au nom de Jésus-Christ. J'ai pris des provisions de bénédiction. J'ai fait des provisions pour 20 ans, pour 30 ans. Mon ami, c'est ton histoire au nom de Jésus-Christ.
Sanctifie son au nom de Jésus-Christ. Chacun va recevoir sa bénédiction. Amen. Chacun va recevoir sa bénédiction. Nous n'avons pas tous les mêmes histoires. Nous n'avons pas tous les mêmes souffrances. Non, pas, mes amis, vous êtes bétonnés, c'est-à-dire vous êtes formés, vous avez la force spirituelle. La fois passée, je disais à ma femme, je ne connais pas que moi j'ai perdu. Même quand je perds 500, la manière que je vais chercher 500 là, tu vas dire, il est dans une pauvreté comme pas possible. Mon ami, celui qui est béni, il refuse la perte au nom de Jésus-Christ. Oh. C'est quel genre de vie ça? Si je perds aujourd'hui 500, je laisse. Demain, ça sera 1000 francs. Je vais laisser. Après, demain, ça sera 5000 francs. Ça sera 10 000 francs. Je vais m'habituer à perdre. Je refuse de m'habituer à la perte au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je vais plaquer tout ce que je perds, ça revient. La tablette là. Je l'ai perdu combien de mois? 4 mois. Mon ami, j'ai transpiré. Il y a des gens que je prie pour eux au téléphone. Mon oreille là. Chauffe. Tu touches mon oreille, tu dis. Oh, j'ai malade ou bien. C'est l'oreille qui est malade. Parce que les choses que j'ai entendues là, c'est compliqué. Donc, je passe des heures au téléphone. Ma femme est là. Je commence même à vouloir fuir le téléphone. Parce que ça commence à me faire des effets compliqués dans mes mains. Parce que je sens vraiment trop de rayons rentrer en moi. Donc je prie longtemps avec les gens au téléphone. Les conseils énormes aux gens au téléphone. Et la sueur de mon front. Après que j'ai pris un peu. Je vous dis la vérité. Hein. C'est comme ça, non? Je reçois 5000 francs. Man. Je m'appelle Opala Mbongo. Mbongo, ça veut dire man, l'argent. Opala Mbongo, là, tout de suite, ça m'a khalis. Dès que j'ai 5000 Suma francs, amé, quelqu'un donne 5000 francs. Je dis, bon, je vais commencer à faire quelque chose. Okay, je veux que ce qu'on m'a donné, ça devienne témoignage vivant en moi. Ça devient un hôtel de prière pour que ça prie toujours. Je prie toujours pour ces personnes. Donc je garde 5000. Enfin, 2000, parfois. Je garde. J'ai eu suffisamment d'argent. Donc ça a pris peut-être 3 mois. Pour avoir suffisamment d'argent pour acheter la tablette. On n'a pas la même histoire. On n'a pas la même vie. Moi, pour avoir tablette, il faut 6 à 7 mois. Pour garder l'argent et pour acheter ça. Et on me donne ici, on me donne là-bas. Donc je garde. Donc j'ai fait 4 à 5, 6 mois. Pour économiser mon argent. Et maintenant, ma tablette, tu voles ça, tu es parti avec ça. Ça va revenir au nom de Jésus-Christ. Ça va revenir. C'est parti 4 mois. C'est revenu après 4 mois. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je dis non, je ne perds pas. Quelque chose me dit dans mon esprit, non. Opala, ça fait 4 mois. Ah, Opala, je vais faire le témoin la semaine prochaine, je vais bien dire ça. Ça fait 4 mois, laisse-le-moi. Laisse-le-moi, ça fait 4 mois, c'est parti. Ça s'est déconnecté de tous mes appareils. J'ai dit, Seigneur, non. Ah, je refuse de perdre. C'est parti, ça doit revenir. Là où ça est. Si c'est entre les mains de quelqu'un, s'il veut revendre ça, il ne trouvera pas de client au nom de Jésus-Christ. S'il commence à l'utiliser, je vais l'attraper. Si c'est garé quelque part, quelqu'un va trouver ça, quelqu'un va garder ça, jusqu'à ce que je trouve cette tablette. 4 mois perdu la tablette, c'est resté gardé là-bas. Pendant 4 mois, les gens gardaient. Alléluia. Et c'est revenu au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, ça c'est mon histoire.
J'ai souffert pour avoir ça. Donc, est-ce que je vais accepter de perdre ça si facilement? Est-ce que je vais accepter de perdre ça si facilement? J'ai souffert. J'ai souffert. Souffert pour avoir ça. Et vous pensez que je vais facilement accepter de perdre ce que j'ai gagné en souffrance? Ça, ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Ça n'arrivera pas au nom de Jésus-Christ. Ça devient ton histoire au nom de Jésus-Christ. Tu refuses la perte au nom de Jésus-Christ. Amen. Un homme qui est béni, il veut encore davantage de bénédiction. Il veut encore davantage de bénédiction. Parce que ton histoire n'est pas son histoire. Ton histoire n'est pas mon histoire. L'histoire de mes enfants, ce n'est pas mon histoire. Mais eux, ils sont bénis. Bon, quelque part aussi, vous êtes bénis. Vous êtes beaucoup bénis. Beaucoup bénis. Et nous, la foi que nous avons aujourd'hui, mais quand je tombais malade, maman n'a pas l'argent. Tout pour nous. Tu es blessé. On impose les médecins. J'ai grandi comme ça. C'est pas parce qu'on avait trop de foi. Ralis Amoun. Ralis Amoun. Donc, si tu te blesses, oh Seigneur, guéris cette plaie. Parce que nous n'avons pas l'argent pour aller à l'hôpital. On n'a pas. On dort avec la douleur. Une grosse fièvre là. Je t'appelle les 43, 45 degrés de fièvre. On dit, j'ai la fièvre. Je n'ai que toi, Jésus. Si tu m'enlèves Jésus, je n'ai plus rien. Impossible. La maladie, tu sors. Descends au nom de Jésus-Christ. Voici mon histoire. Donc on n'avait pas. On a souffert. Donc, tu vois la foi qu'on a là. Ça vient des souffrances. Et ça vient des souffrances. Et la guérison qu'on a là, la bonne santé qu'on a là, on ne va pas lâcher facilement. Vous comprenez, je ne lâche pas facilement. Parce que j'ai gagné cette santé là par beaucoup de souffrances. Quand toi tu étais malade, tout de suite ton médecin de famille venait. Tu vas dans la clinique. On donne les Efferalgan. J'ai connu le nom Efferalgan ici au Sénégal. Presque après, à 20 ans, j'ai connu ce nom-là. Parce qu'à la maison, il y avait rien. Comme on dit rien là. Mot de tête, prière. Problème d'estomac, prière. Problème du cœur, prière. Je souffrais, j'avais dit à ma femme, je souffrais j'avais une douleur dans mon cœur ici là. Toute mon enfant, j'avais comme une blessure profonde dans mon cœur ici. Ça me faisait mal, je pleurais, je criais. Dedans ici là. Enfin, j'avais même envie de prendre la main, mettre dedans pour calmer là-bas. Rien. Je crie, dis maman. J'ai mal au cœur. La douleur est où? C'est de ce côté-ci. Mets la main là où tu as mal. Au nom de Jésus-Christ. Douleur, tu lâches prise. Au nom de Jésus-Christ. Parce qu'on n'a pas l'argent pour aller faire les examens. Et un jour, je suis allé quelque part. Prière comme ça là. Et l'homme de Dieu prêchait. Il était encore étudiant. Et il avait une église petite comme ça aussi. Il prêchait bien. Il avait la vie. Il avait une certaine puissance. Ce jour-là, je suis resté en tant que non. Aujourd'hui, je dois recevoir ma guérison. Parce que toute ma jeunesse, douleur dans le cœur, ça doit s'arrêter aujourd'hui. Je reçois ma guérison. Il a dit, vous, ceux qui ont mal, posez les mains là où vous avez mal. J'ai posé ma main sur mon cœur. Il a commencé à prier au nom de Jésus-Christ. Recevez la guérison. Enlevez la main. Sentez, testez.
touchez, voyez. Testez pour voir si vous avez mal. Pour moi, c'est dedans là-bas. C'est lorsque ça se déclenche que j'ai mal. Donc là où j'étais là, même si je bouge comme ça, je vais pas tester. Mais depuis ce jour jusqu'aujourd'hui, plus de 35 ans, cette douleur a disparu comme ça. Disparu comme ça là. Plus de 35 ans. Plus de 35 ans. Bon, maintenant, mes amis, quelqu'un qui est passé par cette douleur, par cette souffrance, je vais laisser quelqu'un. C'est le cœur, je pique le cœur. Ça ne touchera pas au nom de Jésus-Christ. Hey, la manière, là où j'ai souffert, là, les douleurs que j'avais là, tu veux me ramener là-bas? Je refuse au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la pauvreté. Tu as souffert de la pauvreté, de la souffrance. Comme Joseph. C'est maintenant là que je commence à calmer un peu ma langue là. La langue qui est là. Je l'ai mangée de tous les côtés. Si tu veux manger ta langue et l'avaler. Moi, je n'allais plus jamais avoir de langue. Donc, dès que j'ai faim, ça fait un petit goût de sucre comme ça. Si vous ne connaissez pas, je vous donne ça. Donc, je suis amoureux. Je mâche ma langue. Et puis, les lèvres à côté là. Je prends ça aussi. Quand tu n'as pas de viande à mâcher, dis-donc ici là. Donc, comme je n'ai pas de viande à mâcher, j'en ai trouvé chez moi ici. On mâche sans finir ça, tu finis pas ça. Donc, quelqu'un qui a souffert comme ça, toi sorcier, tu veux, Jésus m'a délivré, il m'a fait rentrer dans l'abondance, toi sorcier, toi jaloux, toi méchant, tu vas faire choco, pour me ramener là-bas. Mon ami, j'ai la détermination de ne plus jamais repartir dans la pauvreté au nom de Jésus-Christ. Déterminé, je ne repasserai plus là-bas au nom de Jésus-Christ. Je suis béni. Je veux encore être béni. Je veux beaucoup de bénédictions. Encore béni. Pour 10 ans, pour 20 ans, pour 30 ans, pour 50 ans, au nom de Jésus-Christ. Je veux davantage encore. Mettons-nous debout, on va bénir le Seigneur. Père éternel, merci. Merci Seigneur. Chacun selon sa bénédiction. Chacun selon sa bénédiction. Et nous avons vu Joseph. Et nous voulons être les Joseph de notre famille. Joseph est un homme béni. Il est encore allé chercher la bénédiction. Et la bénédiction pour son futur. Et il est rentré dans son futur. Et avec sa bénédiction. Joseph est déjà béni. Avec ses enfants Manassé et Ephraïm. Mais il est encore allé chercher la bénédiction. Pour demeurer dans la bénédiction. Parce qu'il a vraiment souffert dans sa vie. Et il ne veut plus jamais repartir dans la souffrance. Et pour ne plus jamais repartir dans la souffrance, il faut demeurer dans la bénédiction. Il faut demeurer dans la bénédiction. Joseph est habitué à la bénédiction et il ne veut plus lâcher cette habitude. Père éternel, je prie pour nous tous qui sommes ici, commence à prier. Quelque part le Seigneur t'a béni selon ta bénédiction que tu as reçue.
selon la souffrance que tu as eue pour arriver là. Et commence à prier, à déclarer, je veux m'habituer à la bénédiction. Je veux m'habituer à la bénédiction. Je suis béni, je continue à récolter des bénédictions, à collectionner des bénédictions, à faire des provisions de bénédictions sur mon futur, sur mon futur, sur mon futur, sur mon futur. Je suis béni, je demeure dans la bénédiction et je continue dans la bénédiction. Et je vois loin, je vois très loin, je vois très loin, je vois très loin, je vois très loin. Je refuse de repartir dans la citerne. Je refuse. Je refuse de repartir dans la prison. Ça, c'est terminé. C'est terminé. Je refuse d'être malmené par mes frères et par mes soeurs. Je suis dans la bénédiction jusqu'à la fin de ma vie. 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 Oh, tu es béni jusqu'à la fin de ta vie. Tu es béni jusqu'à la fin de ta vie. Tu es béni et tu t'habitues à la bénédiction. Partout il y a la bénédiction. On va te trouver là. Partout les bénédictions sont libérées. On va te trouver là. Tu vas prendre ta bénédiction et vivre dans ta bénédiction. Vive dans ta bénédiction. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Jamais rassasié de bénédiction. Jamais rassasié de l'abondance. Jamais rassasié de la bénédiction. Amen. Jamais rassasié d'abondance. Et tu ne repartiras pas en arrière. Amen. L'homme d'iniquité, l'homme de méchanceté ne pourra pas te ravir tes bénédictions acquises par la sueur de ton front, acquises après de nombreuses souffrances. Ce temps-là est révolu, c'est fini. Maintenant tu avances, tu continues à collectionner des bénédictions, tu continues à collectionner des bénédictions au nom de Jésus-Christ. Que vous soyez ici au Sénégal, que vous soyez à l'étranger, là où tu es arrivé, le fruit de beaucoup de jeûnes et prières, de souffrances, personne ne te ramènera en arrière. Et tu t'habitues à la bénédiction et à la bénédiction en abondance au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois béni à Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Et amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez vous asseoir au nom du Seigneur Jésus. Pendant que la sœur va passer, le temps qu'elle passe pour les offrandes et les dîmes, je vais juste donner les annonces. Dieu a fait grâce, on nous a quelqu'un de la Suisse, comme d'habitude, la fondation nous a envoyé de l'argent pour distribuer du riz au village. On va rester dans cette zone, on va travailler beaucoup jusqu'à Tchadjaï, on va rester beaucoup dans cette zone. Jusqu'à Tchadjaï. Donc on sera encore à Niomar pour aller distribuer du riz là-bas. Et nous qui sommes ici, qui bénéficions du riz, on va toujours recevoir des bénédictions. Les gens que j'avais pris leur riz là, on avait donné, hein? Sinon, j'avais pris des riz des jours, j'avais bouffé ça. Donc, je vais leur rendre double. Donc si quelqu'un sait que j'avais pris son riz, et il vient, il va recevoir double. Donc on bénit le Seigneur pour l'église Faux Square du Sénégal et de la France, de la Suisse, les fondations, tout cela, et tout ce qu'ils font en faveur de la population. Et la rentrée scolaire, c'est demain.
On a déjà prié pour vous les enfants. Mais à la fin, je vais déclarer encore une prière. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Et nous prions que cette parole soit notre partage au nom de Jésus. Comme d'habitude, nous allons préparer nos offrandes en toute discrétion en les mettant dans les enveloppes. Et ensemble, nous allons prier pour les offrandes avant de les remettre dans le panier. Si nous avons fini de préparer nos offrandes, nous allons juste prendre nos enveloppes en main et puis prier. Suñu paré ci joxé suñu saraxal dinañu yëkëti suñu lettre da di ñaan. Alléluia. Dans les parents, habituez-vous toujours à vous assurer que vos enfants. Kon way juri nañu tam di tamal xalé yi ñuy joxé. Même c'est une pièce. Habituez-vous les enfants à mettre quelque chose. Bati budé ñaar fukk la nañu ko tam di joxé. Prions pour les offrandes. Nañu ñaan ngir saraxal yi. Seigneur, nous bénissons ton Saint-Nom et te rendons toute la gloire. Merci, éternel Dieu de gloire, Papa, pour ces offrandes que nous venons déposer ce matin à tes pieds. Nous voulons qu'au travers de ces offrandes, Seigneur Dieu de gloire, Papa, t'adorer autrement, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que ces offrandes soient utilisées pour l'œuvre de ton ministère et l'avancement de ton royaume. Que ces offrandes soient utilisées pour faire du bien à ceux qui sont dans le besoin, pour bénir les veuves et les orphelins, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur Dieu de gloire, Papa, de ce que tu continues à bénir, Seigneur Dieu de gloire, Papa, à bénir l'œuvre de nos mains, afin que nous puissions, qu'à chaque fois que nous venons dans ta présence, apporter nos offrandes au nom puissant de Jésus. Merci, sois béni, sois glorifié ce matin encore. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants qui vont à l'école. Nous avons fait le concert de consécration d'année de scolaire 2024-2025. Vous pouvez suivre ça. Mais à partir de demain, et vous êtes concentré sur vos études. Et vous n'allez pas dire ah. Papa, prie pour mon stylo. Quand je vais à l'école, prie pour mon stylo. Si je vais à l'école, quand je vais écrire, le stylo va me donner les bonnes réponses. J'ai pris ce stylo là. Je lui ai dit donnez-moi. On était derrière là-bas. L'autre c'était devant ici. J'étais calme, je lui ai donné. Il prend deux ou trois stylos m'ont donné. J'ai pris ça quatre devant. Madame. J'étais au feu. J'ai dit, quel paresseux, Ça, c'est la tricherie, ça. Tu dois réussir proprement. Tu dois étudier. Bien travailler. On fait une prière sur le stylo. Le stylo va écrire à ta place. Notre Dieu n'est pas le Dieu de la paresse ni de la tricherie. Donc vous allez travailler durement. Et vous allez réussir. Cette année de réussite scolaire, universitaire. Au nom de Jésus-Christ. Soyez les meilleurs à l'école. Les meilleurs à l'école. Meilleurs. En classe de passage, les meilleurs. Travaillez durement. Comme Joseph était un grand travailleur. Et Dieu va vous assurer la réussite. Respectez vos enseignants, vos profs, vos maîtres. Correct à l'école comme ça. Qu'on ne nous convoque jamais à l'école. Jamais à l'école. Le premier psaume de David. Dis quoi, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil. Donc vous n'allez pas être à l'école et en compagnie des gens, des amis qui font le désordre. Non. Vous n'allez pas rentrer dans les,
dans les gangs, dans les groupes, tous les gens, non. Et vous ne devez pas rester avec eux. Vous gardez votre identité en Jésus-Christ. Et vous témoignez l'amour de Jésus dans votre école. Vous allez briller. Les parents seront très contents. Et un papa qui est content. La joie de papa, c'est toujours faire. Voilà, c'est comme ça. Donc, que Dieu vous bénisse richement. La grâce de Dieu avec vous. Dieu pourvoira à tout le monde. Amen. Je pense que tout le monde ici a eu ses fournitures scolaires. Tout ce qui rentre comme les offrandes, les dîmes, ça ressort. Ça en est dans donc, soyez tranquille, tout le monde va. Je pense que tout le monde ici. Donc au milieu de nous, il n'y aura pas quelqu'un au milieu de nous qui manque quelque chose. Et soyez les meilleurs. Au nom de Jésus-Christ. Saluez-vous les uns des autres. Alléluia. Merci Seigneur. Pendant qu'on adore, on chante et on se sépare. Yeah.